de chercher un élément qui puisse illustrer comme ça la, la, la puissance américaine. Et donc, au niveau du symbole, j'ai trouvé que Mickey était, était tout à fait approprié, vu que ça représente à la fois un personnage que tout le monde connaît et aussi un personnage qui représente tout ce que peut rêver l'Américain moyen, c'est-à-dire de partir de rien du tout, d'un petit dessin sur, sur un coin de table pour arriver à un empire qu'on connaît. With one thing in mind. De toute façon, je voulais me dégager de l'image plate du dessin animé ou de la bande dessinée. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai avant tout le modèle qui m'a servi pour l'imiter, une statuette. C'était pour moi, c'était important de déjà de décaler un petit peu le personnage.